Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Disney Princesse, toujours dans la série Little Kingdom. Donc ici, nous avons Tiana de La Princesse et la Grenouille et nous avons Mulan. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà, donc je vous avais déjà présenté une petite Tiana en vidéo. C'était la version où elle avait une robe de rechange, donc une robe verte et jaune et une robe bleue. Et cette fois-ci, elle revient avec une nouvelle robe que j'ai trouvée juste magnifique. Donc voilà, du coup, j'ai craqué et j'ai pris celle-ci. Et ma petite chouchoute, ma petite Mulan que j'adore. Voilà, donc elle a aussi ses petits accessoires et tout. Derrière la boîte, hein, c'est tout simple. Donc voilà, je vais les déboxer et on se retrouve tout de suite après. Et voici donc Tiana et Mulan en dehors de leur boîte. Elles sont juste trop belles. Je vais commencer par la nouvelle Tiana. Donc elle est juste trop belle. Ouais, je suis tombée absolument fan de cette tenue. Ça lui va tellement bien. Et puis j'aime tellement aussi la robe qu'elle porte à la fin. Bon bah c'est sa robe de mariée en fait, en gros. Du dessin animé, je la trouve juste magnifique. Donc celle-ci c'est une autre version, mais qui est quand même très sympa. Donc voilà de dos. Tout simplement. Donc elle a un accessoire dans les cheveux, c'est une fleur de lotus dorée, très jolie. Elle a exactement le même haut qu'elle porte dans son autre version, donc vert avec des feuilles. Et en dessous donc sa robe, la partie du haut qui est dorée et bleue, et la partie du bas qui est jaune et blanche. Super jolie, je l'adore. Elle est trop belle. Et donc, ma petite chouchoute, ma petite Mulan que j'adore. Je suis trop contente qu'ils aient enfin fait une Mulan. Je suis trop aux anges. D'ailleurs, je vous montrerai aussi la checklist pour vous montrer toutes les nouvelles qu'il y a. Donc voilà, j'ai mis son accessoire... Donc son éventail dans les cheveux parce qu'en fait j'ai essayé de la mettre dans sa main mais au final ça tient vraiment pas. Donc du coup je trouvais que c'était plutôt sympa comme ça, donc je la laisse de cette façon. Et d'ailleurs un petit détail que j'adore sur son éventail, si vous regardez bien, vous trouvez la tête de Mouchou. Donc ça je trouve ça génial. Donc c'est top. Donc elle a sa superbe, j'aime beaucoup cette coiffure, ça lui va vachement bien. Hop, sa robe donc chinoise. Bon là par contre c'est pas du tout fidèle au film, parce que au film elle n'a absolument pas une robe de, comme ça. Et c'est bien dommage parce que d'ailleurs moi j'aime beaucoup les robes qu'elle a dans le film. Donc c'est... Bon voilà, ce serait bien s'il pouvait en faire comme celle du film. Ce serait plus cool. Donc voilà, je vais vous montrer la checklist. Hop. Donc voilà. Alors, il y en a une que j'ai vue. Il faudra absolument que je la trouve. C'est bien évidemment celle-ci. Donc Mulan avec Mouchou qui sonne le gong. Quand je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je la trouve celle-ci. Donc j'espère que je finirai par la trouver. Donc ici vous avez Jasmine aussi avec son petit tigrounet qui sont juste trop mignons aussi, j'aime beaucoup. Mais si je pouvais trouver Mulan en priorité, putain je serais trop heureuse. Ici donc vous avez d'autres listes des personnages que vous pouvez avoir de la même série.
que je ne pense pas acheter non plus, hein, parce que après ça fait vraiment une énorme collection, donc bon, voilà quoi, je ne suis pas riche non plus, je ne peux pas me permettre de tout acheter. Donc voilà, et puis derrière, bah comme pour la première liste en fait, hein, derrière c'est uniquement tout ce qui concerne Frozen, la Reine des Neiges. Donc avec Elsa, Olaf, Anna, Kristoff, etc. Donc voilà, on ne tape pas plus là-dessus. Donc les voici tout ensemble et avec toute une robe différente de celle qu'elle porte à l'origine. Donc nous avons une petite Tiana en mode Ariel. Ce qui lui va plutôt très très bien parce que ce sont des couleurs qui lui vont bien au teint. Et puis vu que ça rappelle un peu les couleurs de ces deux robes qu'elle possède, donc je trouve que ça lui va très très bien. Hop, on a une Ariel bah du coup en mode Tiana. Ça lui va très bien aussi, je trouve. Et une autre aussi à laquelle ça lui va bien, je trouve, c'est aussi Mulan. Dans cette robe, elle est juste magnifique, je vous la montrerai aussi. Donc voilà. Hop. Quand on parle du loup, donc une petite Mulan avec la robe d'Ariel, qui lui va aussi trop trop bien, je trouve. Hop. On a encore une fois une autre Tiana. Avec la tenue d'Ariel en sirène cette fois-ci. Hop. Elle est plutôt très sympa. Et à la fin, nous avons donc une Ariel en chinoise. Ce qui lui va plutôt bien, je trouve. Donc ça reprend un peu la forme de la robe sirène qu'elle a. Donc je trouve que ça lui va très très bien. Et donc comme promis, je vous montre la petite Mulan avec la tenue de Tiana que j'adore. Un truc comme ça lui va super bien. Et vu que son buste et ses jambes, j'allais dire, ses bras sont peints en bleu, et ben du coup je trouve que ça se marie vachement bien avec le reste de la tenue. Elle est juste trop trop jolie. Donc voilà, c'était ma review de plusieurs princesses de la série Disney Little Kingdom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye!